Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe, Lily Rose? Eh oh, Valentin! Valentin? Bah attends, mais il est tombé d'un coup comme ça, je comprends pas ce qui se passe! Attends, mais qu'est-ce qui se passe dans Valor? Là, je suis en train de démarrer une vidéo parce que j'ai entendu du bruit. Là, t'as crié, je t'ai jamais entendu crier comme ça! Mais oui, mais je comprends pas ce qui s'est passé, il est tombé et là, il répond même plus! Il est tombé par terre? Oui! Mais il faisait quoi dans ta chambre du coup? Bah, je sais pas, il était là en dessous, il regardait la télé. Tu regardais la télé dans la chambre de Lily Rose? On t'a déjà dit que c'était interdit. Non, désolé. C'est Valentin. Laisse-le, laisse-le, il vient de tomber, ça se trouve, il a un choc crânien. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais... Oula. Oula. Valentin. 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 Il est en train de devenir fou. Non, mais il faut appeler les secours, là, il est totalement... Oui, non, non, mais bon, on va le laisser, des fois, il est un peu bizarre comme ça. Ok. Bon, écoute, s'il y a un problème, tu me rappelles. Ouais, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai démarré une vidéo. Ah, chut. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. C'est quoi ça encore? T'as invité quelqu'un? Bah non. C'est pas toi qui as invité une de tes copines ou... Bah non. T'es sûr? Bah oui. Pas pendant les vacances, hein. Mais non, je t'ai dit, pendant les vacances, on n'invite personne, je t'ai dit. Bon, écoutez les amis, du coup, on va en profiter pour aller voir qui frappe à notre porte, hein, à cette heure-ci. C'est qui? Y'a quelqu'un? Oui, bah vas-y, ouvre. Bonjour. Bonjour. Oh non. Ah, bonjour. Oh non, mais pas vous. Mais c'est qui? Attends, viens, Lily Rose, viens. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, je peux pas rentrer. Écoutez, si notre père vous voit, il va vous virer. Ah, c'est le voisin. Mais oui, c'est le voisin, mais... Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Non. Et on avait dit, vous sonnez plus chez nous, on veut plus jamais vous voir. Notre père, en fait, vous déteste, tout simplement. Oui, non, mais même nous, on le déteste. Ouais, comment ça, tout le monde vous déteste, en fait. Mais la dernière fois, vous êtes venu chez nous, vous avez volé nos chats, vous avez volé plein de trucs, on a dû appeler la police, etc. Mais oui. Bon, pour ceux qui savent pas, c'est notre voisin. Comment il s'appelle déjà? Non, vous rentrez pas, vous touchez pas la poignée, c'est notre voisin et il nous fait toujours la misère, il nous fait des trucs de fou. Ouais, des fois, il rentre chez nous quand on n'est pas là. Quand on a déménagé, il nous a donné des gâteaux à manger, c'était des trucs ensorcelés. Ouais, quand on est arrivé dans cette nouvelle maison, il nous a donné des gâteaux pourris à manger. Mais pourtant, c'était la meilleure recette. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi vous venez, mais en tout cas, vous viendrez pas. Ouais. Oh, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai mon chat. Non, mais tu vois, il est pas clair. À chaque fois, il veut nous entourlouper comme mais ça. Oui. Bon, allez, dépêchez-vous, c'est quoi le problème? J'ai perdu mon chat et je pense qu'il est rentré chez vous. N'importe quoi. C'est pas possible parce qu'en fait, nous, on a deux chats. En fait, on a déjà deux chats et quand nos chats voient un autre chat rentrer, ils sont pas contents, on l'aurait entendu. Non, vous inquiétez pas, votre chat, il est pas chez nous. Retournez chez vous et allez le chercher. Allez le chercher ailleurs. Voilà, allez. Allez, oui, allez, partez d'ici. Oh, c'est pas possible. Les amis, il fait tout pour nous pourrir la vie, c'est un truc de fou. Oh, j'en ai marre de ce voisin. Et là, heureusement que je faisais une vidéo pendant ce temps-là, mais il nous fait des trucs comme ça tous les jours. C'est incroyable. Bah, je vois pas comment son chat aurait pu rentrer chez nous de toute façon. Mais il nous fait des trucs comme ça tous les jours. Hier, il est venu, il a mis un tuyau d'arrosage devant notre porte. Quand on a ouvert la porte, c'était mouillé dans toute la maison. Ouais. Bon, on va regarder. Valentin ? Bon, faudrait peut-être aller l'aider, non? Aller aider qui? Bah, le voisin, il me fait de la peine un peu. Non, mais qu'est-ce que je viens de dire? Tous les jours, il nous fait des blagues comme ça. Ouais, mais... Son chat, il a probablement pas perdu. Non, mais en plus, son chat, je l'aime bien. Il est gentil, je le vois souvent. Je vais l'aider. Son chat, là? Il me fait de la peine. Son vieux chat. Mais il est trop mignon, son chat. Non, il pue. Non, va mal. Lily Rose, reviens ici. Reviens ici. Non. Elle est sérieuse, elle veut aller aider le voisin. Bon bah si t'as un problème, je viendrai pas te chercher. Là, elle va aller dans la maison du voisin pour chercher son chat. Vous n'avez pas idée de commencer dans la maison du voisin. C'est un truc de fou. Une fois, j'y suis rentré, il y avait plein de déchets par terre. C'était une catastrophe. Bon, à nous deux, qu'est-ce qui se passe maintenant? Oula, non, mais c'est toi le chat du voisin en fait, hein. C'est toi que j'aurais dû amener au voisin. Eh oh, reviens ici. Reviens ici. Non mais vous allez pas tous vous y mettre quand même. Bon, les amis, c'est une catastrophe. Moi, je vais me poser tranquillement parce que j'en ai marre de tout ce qui se passe en ce moment. Pour me changer les idées, les amis, j'ai décidé d'envoyer vos petites commandes pour ceux qui ont commandé l'album sur notre site. Lily Rose est toujours pas revenue. Elle est encore chez le voisin. J'espère que ça se passe bien parce que, comme je vous ai dit juste avant, je suis allé chez lui, c'est une véritable catastrophe. Et là, ça va faire 30 minutes qu'elle est partie. Non mais... D'ailleurs, c'est Lily qui m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que ça va bien. Normalement, elle m'appelle jamais comme ça alors qu'elle est à côté de la maison. Allô, Lily Rose? Lily Rose?
Allô? Oui, allô? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'appelles au lieu de revenir? Lire. Il y a une urgence, là tu vois, je suis chez le voisin. Il y a une urgence? Mais qu'est-ce qui se passe chez le voisin? Bah, je suis rentrée chez le voisin et oui. En fait, vraiment, dans sa maison, c'est n'importe quoi, c'est hyper sale. Mais je t'avais prévenu que sa maison, c'était une poubelle. Attends, c'est trop bizarre, il est en train de me montrer sa collection de chats empaillés. Il te montre sa collection de chats empaillés? Mais vite, reviens, c'est... J'ai l'impression que le chat qu'il a perdu, c'est pas le premier, quoi. Il a pas fermé la porte, j'espère? Bah, je pense que si. Oh, il a fermé la porte à clé en plus. Tu peux pas ressortir comme ça. Bon, là, il faut que je vienne t'aider parce que... En plus, son jardin, il est vraiment... Voilà, quoi. Oui, mais le jardin du voisin, c'est une catastrophe. Tu peux pas t'enfuir depuis le jardin. Bon, écoute, je vais chercher Peppa Pink. On va venir te chercher. Enfin, j'espère que je vais le trouver. Ah, bon, les amis, c'est une catastrophe. Oui, oui, vas-y, raccroche. Je fais semblant de rien, j'arrive. Les amis, c'est une catastrophe. Donc Lily Rose est bien rentrée chez le voisin. Sauf que comme à chaque fois, ça se passe mal. Là, il va falloir aller la chercher parce qu'elle est enfermée chez du... Oh, j'ai failli tomber dans l'escalier. Ouh. Bon, je vais aller... Oh, Peppa Pink, il n'est pas là. Peppa Pink! Valentin, bon, toi ça va, t'es là. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Bon, écoute, arrête d'être fou comme ça. On doit aller sauver Lily Rose. Elle est enfermée chez le voisin. Il faut aller la chercher. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais, gars? Oh, mais toi, t'es vraiment en train de devenir fou. Allez, lève-toi, on va chez le voisin, on va sauver Lily Rose. Elle est où, Lily Rose? Elle est chez le voisin, mais t'as rien suivi. Ah non, je suis tombé. Bon. Vite, on y va. Ah oui, je t'ai appelé. Heureusement que t'es là. Il faut qu'on aille chez le voisin. Lily Rose, elle est enfermée chez lui. Qu'est-ce que je vous avais dit au niveau du voisin? Oui, mais c'est elle. Elle voulait l'aider à chercher son chat. Sauf qu'évidemment, bah, lui, il est en train de lui montrer ses collections horribles. Allez, Lily Rose! Lily Rose! Lily Rose! Bon, elle est pas là. Normalement, c'est ici. La porte du voisin, vous voyez, elle est quand même très bizarre. On peut peut-être essayer de rentrer comme ça. Regardez, la porte, elle bouge un peu. Vas-y, essaie de rentrer, même sans la clé, en forçant un petit peu. Allez, vas-y. Lily Rose! Bon, allez. C'est bizarre. On va pas filmer chez lui, on va essayer de récupérer Lily Rose au plus vite, sans se faire remarquer. C'est bon, on est chez le voisin. Là, il y a Peppa Pink, fais attention, il y a un escalier. Regardez-moi ça. Ah, mais on descend, mais c'est quoi cet endroit? On dirait une cave, franchement, chez lui. La dernière fois que je suis venu, c'était... Ah, c'était moins sombre, au moins, il y avait de la lumière. Regardez, on voit rien du tout. C'est le bazar, regardez, il y a des cartons partout. Bon, vas-y, avance. Ouais, Lily Rose. Lily Rose, t'es là? Lily, ah! Elle est là! Mais Stéphane! Ah. Enfin, purée! Non, mais elle reste avec moi! Non, Lily! Mais il fait trop peur, vraiment, plus jamais je reviens! Alors, elle est très. Lily Rose, elle est. Bon, t'étais très intéressée par la collection de chats. Oui, vous. Je vous déteste! Non, Lily, vite, pars! Non, monsieur, vous inquiétez pas, elle est très intéressée par votre collection de chats empaillés. Tu veux pas venir voir mes chats? Non, mais j'ai pas. Voilà. On va continuer à vous aider en cherchant le chat chez nous, d'accord? Allez, remontez l'escalier, on part. On rentre chez nous. Ouais, ne vous inquiétez pas, on va revenir vous dire bonjour. Allez, viens, quatre. Non mais on va revenir vous dire bonjour, vous inquiétez pas. Allez vite, faut que je remonte l'escalier. Vous inquiétez pas, on revient. C'est bon, on est bel et bien rentré. Ouais. Lily Rose est saine et sauve. Bon, alors le voisin n'est pas méchant, hein, vous l'avez vu en fait. C'est juste qu'il vit tout seul dans sa petite grotte là, dans sa cave, et il veut trop d'attention en fait. Du coup, il voulait montrer à Lily Rose sa collection de chats. Ouais. Voilà, empaillés. Mais ces chats vraiment bizarres. Oui, c'est des chats très très bizarres. Enfin, bref, heureusement tout finit bien. Peppa Pink est en train de lui parler en lui disant de plus jamais nous voir, enfin de plus jamais venir nous voir, voilà. Donc, on espère qu'il va pas revenir demain. En tout cas, peut-être qu'on refera des vidéos sur lui. En attendant, les amis, allez voir une autre de nos vidéos. Allez sur notre chaîne, cliquez sur une autre vidéo ou qui apparaît sur l'écran. Ça nous ferait extrêmement plaisir. À la prochaine. Ciao.